Salut YouTube, on va découvrir World War Z quand on aura trouvé comment lancer la campagne. Ah non, je sais, c'est juste que là je suis en train de régler ma classe. Ah, comment on fait ça? Ah mais tu vois pas le menu toi? Bah non, je suis dans le menu principal du game. Alors fais campagne en co. En ligne publique ou en ligne privée? En ligne privée. Ok. Ah, ok. Oh non, je veux pas le black, j'ai pas envie de mourir en premier. Alors, par contre, que tu sois obligé de faire tout ça pour avoir ça, c'est totalement con. Ah bah... Bref, donc oui, tu peux faire change class aussi. Ah, apparence. Ça par contre, moi je l'ai jamais fait, personnalisation des armes, parce que je pense que c'est qu'une fois que t'as débloqué quelque chose. Alors, j'ai Attila de Kaamelott. Arthur! Déjà, ça me plaît bien déjà. Ça, c'est vrai que j'avais pas vu ça moi. Ok, ok. Ok, alors déjà on va dire que lui c'est un main. J'ai dit c'est un main. Tu vas me prendre ce main, bordel de merde? Sergei Popov, oui, ok, c'est bon. Et comment je fais pour valider mon choix? Je pense que tu peux pas. Mais putain de bordel de merde. Parce que je pense que tu peux le faire en multi, mais là t'as des personnages. En fait, faut pas que t'ailles dans customization, faut que t'ailles dans jouer. C'est le seul truc que t'auras, c'est ces persos là. Alors non. 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 Bon, bah, on va rester à la fin. Oh la classe! Oh, il y a des classes aussi! Oh! Alors, fantassin. Soldat post-apocalyptique ayant des facilités certaines pour les armes à feu. L'artificier est un maître en explosif, réellement doué pour faire péter plein de choses. Soignez-les pour qu'il retourne de se battre. L'infirmier est la pierre angulaire de toute escouade. Toujours prêt à faire tourner la machine de guerre. Rien de tel qu'un bon poignard pour abattre l'ennemi. Expert de contrôle des foules, son genre réduire les hordes et les garder à distance. Fantassin. Alors. J'allais dire, ouais, le plus proche d'un. D'un guerrier. Oui, parce que tu sais très bien, YouTube de la RPG, ma classe benchmark, c'est le guerrier, c'est comme ça que je jauge un jeu. Ouais, mais alors en vrai, ce serait pas dans ce cas, pas celui que t'as pris. T'as pris lequel? Le fantassin? Ouais. Enfin, c'est la quoi, classe de base, quoi. Tu peux me remontrer l'icône? C'est le péon. Ah, c'est le gunslinger que t'as. Bah, du coup, c'est firearm, hein. Bah, pas tellement. Oui, enfin voilà la classe de base. Et pour moi, le guerrier, ce serait ce qu'ils appellent le surineur. Putain, chez moi, ça s'appelle le slasher. Ah d'accord. Tu vois, entre slasher et surineur. Il n'y a qu'un pas. Bon, allez en avant. D'ailleurs, tu verras le tout début du jeu. Si ça te fait pas penser à Left 4 Dead. J'ai l'impression d'avoir lancé Left 4 Dead 2 ah. Au moment où ça a commencé, tu vois. Bon, je vais retrousser les manches, parce que là, ça déconne plus. Je voulais le mettre en difficulté max, mais je me suis dit que... Ouais, enfin ça va, on sort de Halo en légendaire, on va peut-être... Non, mais parce que je l'ai fait en facile tout à l'heure, le début de la mission, et ça avait l'air d'aller. Du coup, je me suis dit en impossible, peut-être que, mais... Évitez de tirer sur vos alliés, vos coéquipiers ne sont pas imperméables aux balles. Comment ça, on n'est pas bulletproof? Let's put this to the test. Ouais, mais pas moi. Moi, je suis le médic. Moi, je suis important, moi. Chargement de la mécanique du jeu. Ah, il faut carrément qu'il charge la mécanique du jeu. Spoiler, faut qu'on retraverse réellement tout ça. Ouais, ok, donc le toit, ouais, c'est vrai, c'est 100% la chose. 100%. Comment ça, les balles c'est ça là, la santé. Et je me suis dit, mais what the fuck, c'était. Alors. Fordade en fait. Ok, donc ça c'est coup de. Kowako. On sprint, on se baisse. On saute pas par contre. Non. On peut vault, mais pas saut. Qu'est-ce que c'est que t'as accroché à ton sac? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un petit nounours. Kawaii! Merde.
tirer sans faire exprès. Je suis désolé, je suis un tireur précoce. Yeah. Ok. Les armes, elles sont censées avoir un film ou... Bah, sachant que c'est un peu personne, bof, non. Ah, y'a un peu plus de monde que quand moi j'ai joué en solo, hein, du coup. Grenade, comment on fait? Ah ah ah! Comme ça. Je suis franchi. Ok. I'm okay. Ah, attends. I'm okay. Tu y... Ok. Il est là. Cette physique des cadavres. Don't stop until you get to the elevator. The elevator. Ah, c'est bon. Ah, j'ai mis une petite protec. Ah. Je sais pas ce que ça fait exactement, mais voilà. Il protec, il attaque. Ah, oh, ok, il y a des mobs spéciaux aussi. Oui. C'est comme dans le jeu, c'est comme dans le film en gros quoi. Pas du tout. Ah. Non. Aidez-moi bordel. Mais j'essaye mais ça j'ai plus de munitions. Ça c'est parce que t'aurais dû mettre des coups de corps à corps. C'est vrai que j'ai une machette. Bon, y en a un qui gueule depuis tout à l'heure là. Ta gueule. Alors le corps à corps, ça a l'air d'être une efficacité. Bah ça marche plutôt bien, c'est juste que c'est pas comme dans l'Air 4 Dead où tu vas t'amuser en tout. Il est mort déjà. Oh mon dieu. Ah bah alors lui je l'avais pas vu encore. Tu m'as dit. Il est déjà mort. Alors je viens de voir pour la première fois que y a des zombies explosifs. D'accord. Ce qu'il n'y avait pas quand moi j'ai joué, donc ça doit être le mode de difficulté qui te les donne au fur et à mesure. Ouais, bah c'est comme dans le film quoi. Ouais, comme dans le film. Alors. Vas-y, y a pas des trucs à récupérer dans le coin là. Par contre, les munitions, ça a l'air d'être un vrai problème dans ce jeu. Oh. Alors, encore une fois, en solo, il y en avait plus déjà, donc. Comment ça? Fresh ammo coming up. Non, je veux pas du tout ça. Oh putain, ça a l'air d'arriver, on se casse. Ah, bah oui, c'est un ascenseur, il faut l'attendre, bien évidemment. I hit the button. Je m'attends à tout moment à voir un petit. Un petit Another Pseudal qui débarque en mode. J'ai merdi. Tiens donc, un centre commercial avec une voiture tout en bas. Tiens donc, quelle nouveauté de level design. C'est du jamais vu, c'est incroyable. Attends alors, ne bouge pas, arrête de bouger. Je bouge pas, j'arrête de bouger. Non, ça c'était juste un tir que j'ai mis, ok, très bien. Je sais pas, parce que des fois il veut bien te mettre un coup de steam, des fois il veut pas. Je suis déjà là, jeu de merde. Il était là en mode lurk. Ah, bonjour. Ah, moi le lance-grenade. Bon, vous la fermez, vous là en bas. Non mais oh. C'est quoi ces manières là? Ok. Regardez-moi tous ces zombies qui pop de nulle part. Tu m'étonnes que le monde il est dans la merde. Vous avez vu ça? Oh, incroyable. C'est un marathon. Ils ont appris qu'il y avait le corona qui était arrivé au coin de la rue. Le tout nouveau corona. Extraordinaire. Regardez.
Il n'y en a plus qui viennent de là, mais par contre, eux, ils sont bloqués dans un nid. Les narbalètes. Excellent. Excellent. Bah, continue. Oh la boucherie, excellent. Aïe. Je peux tirer sur lui, je prends une fois. Ah ouais. Oh. C'est vrai. On peut. Oui, on peut, indeed. Allez hop. Merde. Aïe. Cette arme était insane efficace. Oh, mitrailleuse arme longue. À moi. Me soigner, ça consiste à verser de quelque chose sur mon bras. Donc tous les organes vitaux dans ce jeu sont situés dans le bras. Exactement. Ok. Alors, il y a quoi ici? On peut remonter par là. Il y a un secret. Il y a un crâne. Il y a un crâne. Ah non, c'est juste que c'est... Je pense que les... c'est 100% ça. Pourquoi les autres bots, ils me suivent? Ils te laissent seul tout. Parfait. Pire que R7. J'avoue. Tu veux pas utiliser l'ascenseur? Y'a un ascenseur? Ah. Gros foutant avec marqué interact. Non, non, non. Ici. Clear. Subway should be just across the street. Donc le jeu il se situe combien de temps avant ou après le film? J'en ai aucune idée, ça me passe s'il a un rapport avec le film directement. Alors j'ai récupéré une mitrailleuse fixe, mais je sais pas comment la déployer. Alors, c'est un peu plus loin. Oh, un shotgun heavy. Oh, il a l'air badass. Ah, le mec, il veut du lore. Bah ouais. Le lore, c'est la vie. Lore is life. Lore is love. Comment c'est le combat? Bah, je suis prêt, hein. I'm ready. Il y a d'autres pièges que tu peux mettre par tir. Ah, il y a d'autres pièges. Oui. Oh, c'est dans les caisses aux alentours. Grillage haute tension. Là, il y a une chainsaw ici. Il y a un lance-flamme. C'était pas lance-flamme. Pris le lance-flamme. Si, j'ai vu. Là, il y a un flamethrower. Ouais, j'ai vu. Il y a tronçonneuse à côté, il y a un lance-roquette ici. Il y a de quoi faire la fête, quoi. Il a pas une gueule rassurante, ce lance-flamme, mais soit. I'm ready! Ah, je peux commencer la... Bon bah on va le commencer manuellement alors. Je défends ma position. Once upon a time in New York City. Hein?
Et merde, c'est vite. Ça arrive par derrière. Ah d'accord. Wow. Qu'est-ce que c'est que cette merde? D'accord, donc ça enflamme même pas les mobs. Enfin si, ils ont 2-3 flamèches sur le cul. Waouh! Ah! Ouf! Oh merde! Wow! Ça se passe mal. Ça se passe mal. Je suis bloqué. Adieu. Lance-flamme est rincé. Ouais, je dois bien avouer que le lance-flamme est vraiment pas ouf. Hein. Par rapport à Once Upon a Time in Hollywood, il est vraiment pas ouf. Il va être quoi tout de suite. Oh. Oh. Ah non, j'ai pas de. On hell, come here. Non, on va pas faire ça. Interagir. Oui, peut-être aller récupérer des munitions, non? No turning back now. Un vélo. Ne dis pas que vous avez pêché la voiture comme dans le 4D. Bah, apparemment non. Ça n'a pas l'air d'être le plan de ces individus. Ouvrez la caisse. Bah là, ça aurait été un peu la mort. Récupère. Oh. Ah. Bonjour. Vous avez métro en mode garde l'est. C'est un peu ça. Mais en période de corona. Tu ne dois toucher personne, personne ne doit te toucher. Ah, il y a une caisse. Qui c'est qui veut tailler des haies? Shotgun et un revolver énorme. Allez, je me déplace que comme ça maintenant. C'est quoi ça? Sniper rifle. Oh. Pas mal. Et là, si tu veux vraiment faire comme dans un slasher movie. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ma vue elle devient toute dégueulasse? Qu'est-ce que c'était que ce bear? Attends, c'est moi qui t'ai tué là? Ou ça se passe comment? Parce que là c'est pas possible, j'ai tiré à côté de toi. Mon perso, enfin je sais pas, ma vue elle est devenue toute trouble et d'un coup il est tombé par terre, il a turn, il s'est transformé en mob. Ah, alors c'était pas moi, je suis rassuré. What the fuck? Regarde en haut à droite. Y'a rien en haut à droite.
Mais oui, mais c'est ça, il y avait un gaz vert, t'étais dedans, je pense. Ah, j'ai été infecté. Bah ouais, de toute évidence. T'es devenu un méchant. C'est pas gentil. Putain, mais... Je vais en soigner un des deux parce que je sens que ça pue la... Save my ass. Can you drive this thing? Oh, quand même, kit. Oh, mais j'ai gardé ma tronçonneuse, youpi. T'as un pop? Nice. T'as pas beaucoup de vie. Si on aurait pas encore des kits de soins qui te traînent, ou alors faut que j'ai récupéré. Celui que j'ai récupéré. C'est quoi ça? Ah, des grenades. Ouais. Hang on. Ah, y'a une caisse de. Quand t'as speed dessus, ta vision s'est assombrie, le message indiqué qu'il y a des photos de désinfectés, tu te sens en un instant t'as vendu. Wow! Aïe. Ah! Ah mon dieu! Ah, de... Les gazeux créent un nuage toxique quand ils meurent, éliminés en touchant la tête, c'est plus propre. Tac. J'ai pris un petit combo. Indeed! Mais non, mais. Mais non, mais pas sur moi, putain de bordel de merde. Ah. Ok. Bref. Vous pouvez récupérer des caisses de ravitaillement. D'accord. C'est qui parle là? C'est le mec qu'on doit aller voir dans le. Mais qu'il allait mourir? Mais putain! Il est censé nous sauver! Mais qu'est-ce que. Je suis bloqué entre deux mondes, c'est quoi ces conneries? Putain de bordel de merde! T'es encore fou! Mais j'ai pas, c'est Keblo entre deux rames là! Et je. Ok. Voilà. Nouvelle arme, voilà. Donc sinon, point de vue lore, on incarne qui et pourquoi ils sont là? Pourquoi ils sont armés jusqu'aux dents et pourquoi ils survivent? T'as vu la même chose que moi, non? Hein? Aucune idée. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Attends. Alors attends, là c'est des supply crates. On nous dit de le pick up, moi j'ai envie de voir ce qu'il y a autour. J'ai déjà été là où t'es dans le jeu, mais IRL, ça compte pour le lore. Bah ouais, dis toujours. Ça se trouve tu les as croisés ces péons random là. Faut prendre une box là. Et bah je prends une box là. Qu'il va falloir en récupérer 5 au total, c'est bien. Du coup, est-ce que les bots les récupèrent avec nous? Faut ou pas, faut croire que non. Parce que s'ils le font pas, ça va faire mal. Pourquoi faut récupérer des caisses pour des péons random encore là? Ils vont encore nous entuber, ça là, c'est sûr. Exactement. Qu'est-ce que c'est que ça? Creeper taken out. Creeper. Jeeper. Creeper. Where'd you get those beepers? Jeepers. Creepers. Where'd you get those eyes? Oh, hazmat over here. Bull coming in. Wow. Stevie's goodies, bringing it back. Stevie's goodies, en effet. C'est marrant parce que du coup, on a 4 caisses sur 5. Il y a des dégâts de chute dans le jeu, je pense. Hein. J'ai pas l'impression. Ah. Enfin, pas à cette hauteur. Et elle va nous dire l'autre, la dernière, elle a le bout du métro. Gracias. Gracias. L'ambiance, pas tout à fait pareil, je vais pas en faire des caisses. Vas-y, prends-en une au cas où. Ça fait quelque chose. Ah plus que ça. Non, 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 je veux pas rester dedans. Oh, putain.
Oh mon dieu, mais putain. F9, qu'est-ce qu'il y a? Ah. Tout le monde est mort. Quand ils sont au contact, F. F. FFS. FFS, exactement. Non, mais tu peux tuer plusieurs ennemis avec un slash. Attends, on recommence pas depuis le début, quand même. Si c'est le cas, je vais avoir un peu. Peut-être baisser un chouïa le niveau de difficulté alors. Y a pas mis en classe parce que en fait. LOL. YouTube, c'était la fin du premier épisode. Merci d'avoir regardé. Salut.